Everything changes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Funky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça va faire très très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo tout simplement car mon casque était cassé, donc j'ai pu maintenant me racheter mon casque ainsi qu'un micro. Donc c'est pour savoir, c'est un micro Tonor et des écouteurs Rocat Siva, plus une nouvelle souris aussi qui est la souris Sting. Donc du coup, là, pour vous dire, on se retrouve sur le serveur Module Monde. Donc c'est un serveur survival qui est en 1.8, donc je suis dans 1.8. Le but, c'est, il n'y a pas de PVP à part dans l'arène. Vous devez construire votre ville, ou sinon vous faites votre parcelle tout seul, comme là ici, là c'est ma parcelle. Donc je vais vous faire visiter vite fait. En gros, chacun a sa petite parcelle, nous on revient de là comme je vous ai dit tout à l'heure. Chacun a sa petite parcelle, chacun se débrouille. Il y a un monde ressources, il y a ce monde là pour faire les maisons et tout ça. Donc voilà, j'ai un petit peu de stuff, enfin bref. Il y a les private, il y a le monde ressources qui régène toutes les tous les dimanches soirs dans la nuit. Ouais, il y a ceci. Vous pouvez faire tout, un peu tout, sauf respecter quoi. Donc là on est, je crois, quelque chose comme 29 connectés. Je vais vous emmener quelque part où là c'est vraiment une vraie ville qui est juste à côté. Si vous venez sur le serveur, je vous mettrai l'épée si vous voulez venir sur le serveur, mais si vous grillez, même si c'est pas claim, enfin même si s'il n'y a pas de parcelle, donc s'il n'y a pas de cubo, vous serez ban direct, enfin vous serez ban pendant un mois. Il n'y a pas besoin de s'arranger, sinon vous serez en prison. Donc voilà, donc ici regardez, vous pouvez voir, c'est, il y a une grande ville et tout ça, enfin sauf qu'ils sont plus là, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. La modération est très 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 active et très sympa. Il y a un TS qui est pour il y a plein de petits events, par exemple comme celui d'aujourd'hui qui est il n'y a pas le truc, je sais plus ce que c'était, la commande. En gros, c'est ouvre le calendrier, de Noël, et en gros on a chacun des trucs. Donc vous pouvez aller dans plusieurs villes. Moi par exemple, j'ai ma maison à moi tout seul qui est là, et je me suis fait deux potes là-bas. Je vais vous faire voir. Ouais, donc ça fait faire longtemps que j'ai pas commenté une vidéo, donc j'avais pas trop le temps et j'avais pas trop la motivation. C'est vrai que la motivation était un peu partie ces derniers temps, mais là j'ai pu reprendre du poil de la bête pour vous refaire des vidéos, et je pense que ça va être très très bien comme ça. Donc si je me trompe pas, on va bientôt arriver chez moi, enfin chez un pote. Donc c'est sa ville à lui, donc regardez, c'est déjà plus stylé que chez moi, parce que moi la construction ça fait zéro, mais j'aime bien surtout jouer sur serveur parce que c'est vraiment bien, on est bien accueilli, t'explique tout proprement. Enfin voilà, donc ici vous pouvez voir, c'est la parcelle. Moi je peux pas y accéder parce que c'est pas mon cubo. Regardez, si j'essaie de casser, ça se casse. Ah si, il y en a une seule, il a pas cubo. Voilà. Oula. Voilà. Donc on a ici, c'est leur maison, ils sont deux, donc c'est deux cousins. Et après on arrive chez moi. Donc voilà, ici c'est chez moi. Après ce n'est pas cubo ici, mais de toute façon aucun grief, de toute façon tout le monde voit qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui sort de cet endroit là, qui a ouvert les coffres, enfin bref, c'est du grief, ça c'est directement. Voilà, vous pouvez voir, hop, c'est une petite maison tranquillou comme ça qu'ils ont fait, c'est vraiment des bons architectes. Maintenant je vais vous faire voir le spawn, à quoi il ressemble. Le spawn est très simple, donc il y a
plusieurs villes. Il y a une ville principale. Oula. N'oubliez pas le jump de Noël. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le jump de Noël. Voilà. S'il te plaît, tu arrêtes. Enfin bref, voilà, c'est un spawn basique. Voilà, vous arrivez ici. Enfin, normalement, c'est une citrouille. Enfin, il y avait une citrouille pour Halloween. Ils avaient fait une cité des morts, un truc comme ça. Et ici, là, c'est Noël. Donc, ça va vraiment bien. Je vous invite à venir au moins ici. Si vous aimez bien le survival, venez ici. Ici, il y a le portail du Nether. Ici, la salle aide des débutants pour quand vous arrivez. La gare. Il y a l'ancien module. Enfin, l'end. Le commerce, parce que vous pouvez voir un commerce, la prison et le Nether et les ressources, je crois qu'elles sont là-bas derrière, je suis pas sûr, enfin bref. Voilà, après ici nous avons tous les villages, donc on descend. Tous les grands villages des modos, en gros je vous explique qu'on a une monnaie, vous choisissez votre métier. Donc moi je suis bûcheron, forgeron et excavateur je crois, donc c'est tuer des monstres et tout ça, ça vous rapporte de l'argent. Pour vous dire, je vais vous faire voir, slash monnaie. Je suis à 66$ parce que j'ai tout dépensé pour agrandir mon cubo, parce que justement avec le cubo vous pouvez acheter et agrandir votre parcelle quoi. Et une ville, si je dis pas de bêtises, si je dis vraiment pas de bêtises, sinon je mettrai une petite annotation, enfin ce qui affichera à l'écran, je crois que c'est bien 50 000 pour pouvoir ouvrir sa ville et être maire de sa ville. Donc c'est pour ça on essaie de récolter un peu d'argent pour pouvoir ouvrir la ville. Donc vous aurez peut-être des vidéos sur ce serveur. Donc ouais, moi personnellement ça me va bien. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous dire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye et peace tout le monde.